Parti, on commence par l'échauffement. Thank you.
dernier tour, sur nos fronts. Ah. On est droite, on est droite. Pas comment vous m'entendez, hein. Vous pouvez me dire sur le chat, sur le côté, vous me direz plus tard. Il faut un tapis. Et puis, ben on va faire du travail musculaire. On va faire un peu de cuisses là, je vous propose un peu de fessiers, un peu d'abdos, un petit peu à la couleur des vidéos que j'ai postées, comme ça vous pouvez refaire. Mais la musique. Petit réglage. Yes. Ouais, c'est bien ça. Si vous avez vu la vidéo, c'est juste un crunch sur le côté. Ah, c'est bien si je fais pas de bêtises comme ça. C'est reparti. Thank you.
Décoller, hein. Regarde le plafond, c'est reparti. Troisième. Les bras tendus, si ça fait mal au poignet, sur les coudes. On tourne. Il n'y a pas de creux lombaire. Je monte les fesses s'il faut. Bon, vous les connaissez tous ces exercices, hein. Menton décollé. Et si Nico est là, et ben, on va passer au gainage sur les avant-bras. Prêt? C'est reparti. Si je veux, la barrière. Ah, obligé. Ou pas, hein. Je reste là s'il faut.
Allez, le dernier, l'autre côté. Voilà, ça ira bien pour les abdos. Mais franchement, si vous le faites deux fois par semaine, ce sera déjà bien. On ne perdra pas. On se sentira bien. Je passe aux fessiers. Alors, je vais prendre les mêmes exercices que la vidéo YouTube que j'ai postée. Comme ça, vous pourrez choisir ce que vous voulez suivre, ce qui est plus ou moins agréable à suivre. C'est parti pour les fessiers. On commence sur le côté en coup de pied. Je relance la musique. Mal ici.
se mettre dans la position qu'on veut. Yes, je change d'exercice, toujours fessier. Je l'expliquais sur la vidéo. Cette fois-ci, on est les genoux collés et c'est juste l'ouverture de la hanche et je reviens aux genoux collés. J'ouvre la hanche et j'essaie d'ouvrir au plus haut. Je referme et je referme. Il n'y a pas de danger sur cet exercice. Hein. Vous faites à l'ouverture que vous pouvez, ça va faire travailler les belles fesses. Et c'est parti, allez. On peut s'entendre. Si le son n'est pas bon, je peux tchatcher avec vous. Je me sens seule. C'est parti. Allez, troisième série. On essaie d'ouvrir un peu plus. On peut faire plus vite ou plus d'amplitude et garder la lenteur.
Si je compte bien, on en a fait trois de chaque côté. Et maintenant, on va passer au pont. Vous connaissez bien, on va faire du relevé de bassin. Les pieds qui se lèvent pas trop haut. Vous levez, on continue sur les fessiers. Alors, le pont, il fait mal aussi un peu au bas du dos et sous les cuisses. Dans la lenteur, il n'y a pas de fort risque de se faire mal. Mireille, si tu nous suis, fais-le tout doucement ou pas. Ah oui, commence à faire chaud. C'est parti. Plus d'amplitude, plus de vitesse, hein, c'est vous qui y ajustez. Gardez l'amplitude, le bassin au plus haut. Encore un. C'est reparti. On va décoller une jambe. Si c'est trop dur, vous gardez le statique. Je vais aussi décider de garder celui-là. Stop. Ouh. Pas très haut. Le bassin est très haut par contre. Remonte si descend. Premier. Alors, on va finir par un fessier allongé sur le côté et avec la jambe tendue et la jambe reste au-dessus de l'autre genou. Je vous montre, on l'a déjà fait. Soufflez. On repart sur 20 secondes de travail. Pour ça.
c'est celui-ci. J'ai la jambe tendue et elle se décolle. Je reste au-dessus de ma jambe. Allez, on en fait trois de celui-ci. Et au-dessus, là, ça va pas derrière. Et c'est parti. Ça monte, ça descend. Confortable. Alors, pour terminer sur le renforcement musculaire, je vais alterner un fessier, un renforcement musculaire, des abdos, mais vous allez voir, c'est facile. Je vous mets un petit son. Donc là, je suis là. Thank you.
3, 2, 1, stop.3, 2, 1, stop.
Gainage. Musculaire. On va passer aux étirements. Et là, pour coup, Mireille, te prive pas. Quand on a mal dans le bas du dos, au dos, c'est vraiment des étirements qu'on peut faire doucement et dans la lenteur, quoi qu'il en soit. On ne force pas et ils sont plutôt bénéfiques. Normalement, mais c'est sûr si on est ok avec nous-mêmes et avec la manière dont on a mal et la manière dont on ajuste, il ne faut jamais forcer. C'est parti, on se met sur le dos et on fait du genou poitrine. On a déjà fait tout ça. Et je suis essoufflée, hein. Allez. J'y arrive pas. C'est ça. Voilà. Est-ce que je vois pas? Est-ce que je vous montre? Bon. Si je fais ça. Voilà. Comme ça, je vois ce que je vous fais faire. Yes. Ah, j'ai l'impression d'être avec vous. Je le vois. On souffle. Genou poitrine. L'idée, hein, c'est de décoller là, d'enrouler le bas du dos. Et en fait, juste en faisant le genou poitrine. Et puis, on peut aussi juste venir masser le bas du dos. Voilà, je vois ce que je montre. Je masse le bas du dos sur mon tapis. Et aussi en enroulant, déroulant. Ok, si j'ai la foi, si j'ai envie, j'enroule complètement. C'est ça. Et je peux rester en bas. Hein. Je fais ce qui me fait du bien. Là, j'enroule. J'enroule ici. Colonne vertébrale. Là, du dos. Doucement. Regardez ce qu'on va faire. On va poser d'un côté
Je laisse déposer, ça va étirer, enrouler le bas de la colonne vertébrale. Je vais mettre mes bras à 90 degrés, on l'a déjà fait. Hein. Et je tourne la tête du côté où il n'y a pas mes genoux. Je laisse déposer, ça m'étire dans la nuque. J'ajuste. Et mes genoux, des fois ils posent pas, des fois ils posent, mais moi mon supérieur il pose pas. Souffle et laisse déposer. Oups là. Et ma nuque aussi, elle s'étire. Mon bas du dos s'étire. Mes bras s'étirent. Laissez déposer. Et regardez, on lâche doucement. Les genoux qui passent de l'autre côté. Comme ça, vous allez peut-être voir. Moi, tout ne pose pas. Alors, on ajuste, hein, c'est ici ou c'est ici. En tout cas, les genoux l'un sur l'autre. Le but, c'est que ça étire un peu la cuisse, un peu l'arrière du dos. Il y a une espèce de torsion. Où que vous soyez, l'étirement est là et ça fait du bien. Donc, si j'ai les genoux de ce côté, je vais tourner la tête de l'autre côté. Et je laisse déposer. Soufflez. Moi, je ne suis pas très détendue, hein. C'est le stress. Là, je me dis dépose, laisse déposer, lâche, 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 laisse déposer le bas du dos et voyez mon genou. Laisse tout déposer ici, ici. Relâche. Tourne la tête. Vers ta main. Tiens la nuque. Et reviens. Ouch là. Dans la lenteur. Et on va finir là-dessus. L'étirement, on l'appelle l'étirement du kiné. Les bras sont ancrés à l'avant, bien accrochés dans le sol. Les fesses tirent vers les talons, mais pas jusqu'aux talons. Et les mains accrochées. Je laisse étirer les bras et le bas du dos. Et on va prendre une grande inspire. Bloquer, tirer. Et encore, ça tire sur les bras, les épaules, le dos. Jouez de la respiration, des grandes inspirations. Expirez. Encore. Ça tire. C'est bon. Expirez. On passe à quatre pattes et celui-ci aussi il fait du bien. On va pousser le dos rond, pousser, enrouler la tête et pousser sur les bras, enrouler le bas du dos, rapprocher peut-être les fesses des talons, ajuster la position, toujours le dos rond, un peu en avant, un peu en arrière,
Poussez, poussez dans vos bras, ça étire les épaules. Soufflez, soufflez, soufflez. Et doucement, on va chercher la cambrure. Soufflez. Pas trop fort si j'ai mal au bas du dos. Je vais juste chercher dans la lenteur l'amplitude. Et l'étirement, c'est ici qu'on s'étire. Et c'est ici qu'on va apprécier l'amplitude. Sans trop forcer cette cambrure. Une fin qui fait du bien. Et voilà, je ne sais pas si vous avez déjà mangé. Dans ma maison, ça sent bon. J'aurais voulu le faire exprès, je ne serais pas arrivée. Ça fait une heure de direct, un mouvement ensemble. Merci pour ceux qui ont été avec moi dans le mouvement ou pas dans le mouvement. Vous me direz, vous me ferez des retours en direct ou pas. On peut aussi commenter là. Dans le chat, et merci pour les 4 personnes qui étaient présentes. On fera le bilan plus tard et puis on peut aussi ajuster les horaires. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et on garde le moral, on garde le mouvement, on garde la forme. Et puis, je le souhaite très fort. À très bientôt. Et d'ici, je peux vous faire plein de bisous. Ils sont free de Covid ou de bactéries ou de je sais pas quoi. Ciao, ciao. Merci Mireille. Ciao.